Bonjour Bob, je suis Taxe Kiné. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la recette de salade de udon. Voici les ingrédients. Asperges vertes, petits pois, choux pointu, sauce soja, huile de sésame, sucre cassonade, vinaigre de riz, farine de blé, de l'eau, fleurs de sel. Alors, on va commencer par faire la pâte de udon. C'est très simple. On va mettre 150 g de farine. On va rajouter 60 g de l'eau et 2 pincées de sel. Au départ, on mélange avec baguette. Ensuite, on travaille au bout de doigt, comme ça. On va travailler sur le plat direct. On tire, on plie. On peut travailler pendant 10 minutes jusqu'à ce que la pâte ça devienne souple. Je vais façonner. Et je laisse dans un cuir de poule avec torchon pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on va étaler avec laminoir. J'étale. Si ça colle un peu, on peut mettre un peu de farine à deux côtés. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va décrire. Alors, ensuite, on va préparer une petite sauce. 2 cuillères de sauce soja. 2 cuillères de huile de sésame, 4 cuillères de vinaigre de riz et 2 cuillères de sucre cassonade. Juste mélanger. Pour la garniture, on va mettre les légumes de printemps, choux vertes, les petits pois et asperges vertes. On va mettre les udon en cuisson. La cuisson, ça prend à peu près 13-15 minutes. Ah, j'ai oublié de saler de l'eau de cuisson. Ils sont presque cuits. Là, je vais rajouter garniture là-dedans. On va cuire une petite minute. On va ajouter de l'eau. Ensuite, on va laver à l'eau froide. On va passer au dressage. On va juste verser la sauce. Terminé. Bon appétit, Vogue.